Salut gang, je vous laisse le temps de vous connecter. Je vais installer mon iPad. Désolée, je suis un petit peu en retard. Je suis en train de vous préparer une surprise. Donc, pendant que vous vous connectez, je vais finir de préparer ça. On va faire les tirages. Dites-moi un beau bonjour. Désolée du retard encore une fois. Mais c'est pour une bonne cause. Vous allez m'aimer. Vous allez m'aimer. Salut Lorraine! Les filles, je veux vous dire un gros bonjour. Oui, je vous laisse vous connecter. Je suis à vous dans 2 secondes et quart. Vous avez le temps en masse de vous connecter. Je suis en train d'emballer parce que je vous ai fait des petites surprises. Salut Lise, salut Diane. Ben oui, toi, je vous ai fait des kits. Fait que c'est pour ça que je suis un peu flush. donc. Puis, vous allez aimer ça, les filles, parce que je suis contente, parce que je pense que ça va valoir la peine. Bon dimanche. Joyeuse fête des mères, gang. Donc, je vous laisse commencer à voter celles qui sont arrivées. Est-ce que vous voulez faire les tirages avant la présentation des kits ou le contraire? Ou le contraire. Oups, gars, vous avez des petits... C'est juste que j'ai fait deux kits, puis là, ben, j'ai mangé en même temps, hein? Donc, dites-moi donc si vous aimez mieux que je fasse le tirage ou que je présente les kits en premier. Je vous laisse le temps de choisir tout ça. Moi, pendant ce temps-là, j'emballe les kits. Il m'en reste deux emballés. Ça va bien. Faites juste me répondre à ça. Je suis déjà en train de vous demander des questions, hein, vous savez. Quand je vais t'écouter en replay. Ah, oh, ouais, le tirage en premier. Super. Alors, vous aviez quand même un beau taux de participation. Donc, j'emballe lui, je fais tirer les kits, puis... je vous présente les autres trucs durant ce temps. Donc, j'ai préparé mes deux... Je vais pas mettre mon code. Je vais préparer mes deux iPads. Puis, celui-là, c'est pour tourner la roulette. Mais là, il faut que je sorte mon autre. Voyons. Oh non! Tout est tombé. Je prépare ça, puis... Voilà, puis ça me prend mon autre iPad pour la liste. Fait qu'on va commencer par le kit Mix Media, ça vous va-tu? Oui, en fait, je commence par les tirages, puis après ça, les filles qui m'ont écrit, je vous réponds après, parce que sinon, j'y arriverai pas. Donc, fallait que je retrouve la... On va commencer par le kit Mix Media. Juste un moment, regardez, c'est juste le temps de voir la grille et d'aller voir vos numéros, parce que je veux pas que vous pensiez que je triche. Voilà. Donc, la liste, elle est là. Alors, qui se mérite le kit Mix Media? J'ai mis les chiffres de 1 à 40, donc ça va être super facile. C'est parti! J'ai quasiment essoufflé d'avoir fait les kits en même temps. Tadam! Numéro 39, la... Gagnante est Lorraine. Le nom de famille, j'ai écrit LEP. bon, alors Lorraine, tu as gagné le kit Mix Media. Je te le mets à ton nom de côté de ce pas. On va se parler ensemble pour voir comment... comment on se rejoint. Alors, bravo à toi. Félicitations. Un prix de 40$. Je fais juste mettre ton nom pour ne pas perdre le fil parce que, vous le savez, elle perd le fil vite, la petite madame. Alors, c'est parti pour ce kit-là. Alors, prochain, c'était... Il y avait le kit Mix Media puis il y avait les deux kits. On va commencer par le kit bleu. C'est parti. Vous êtes encore là? Félicitations, Lorraine Lepage. Hey, j'ai écrit LEP, hein, fait que petite mémoire à l'opportune. Alors, le kit bleu, j'ai dit, hein? Alors, kit bleu, qui?
Tadam! Voyons, les 37 sont gagnants. Cindy Tremblay, tu as gagné le kit bleu. Alors, j'écris ton nom. Hey, sérieux, il faudrait que vous me voyez tourner en rond. C'est très drôle. Cindy Tremblay, kit bleu. Et le kit jaune, je le fais tirer à l'instant. Voilà. Voilà, le kit jaune et c'est parti! On va espérer que ça sonne un chiffre plus bas. Numéro 21, c'est Amélie! Alors, félicitations, Amélie! Encore une fois, vous avez... je vais communiquer avec vous, inquiétez-vous pas, pour vous donner votre prix. Je vous félicite. Merci encore d'avoir participé à tout ça. Bon, j'enlève mes iPads, c'est assez la technologie. Je vous présente mes kits. Êtes-vous prête? Salut, Vicky! En fait, je vais commencer par la primeur. Vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup à m'avoir demandé... des kits de cartes. Mais écoute, moi, je fais pas des cartes, hein? Je fais pas des cartes. Alors, je vous ai fabriqué un petit kit de cartes. Qui est, tadadam, ici. Puis je vais l'emballer. C'était le dernier qui me restait à emballer. Donc, voilà. Voilà. Alors, regarde, je mets ça de côté. Je vous présente les embellissements à la fin. Comme ça, ça va être moins mélangeant. Tadam! Alors, dans mon kit de cartes, eh bien, oui. J'ai mis deux cartes. Vicky, t'as pas gagné. T'as rien manqué. Une carte beige et une carte blanche avec son enveloppe et dans le kit de cartes. Il y a des embellissements, soit des petites cartes comme ça. J'ai les papiers 6 par 6. J'ai mis beaucoup de papier parce que les carteuses, puis il n'est pas recto verso. Les carteuses, ça l'aime les papiers. Alors, voilà. Bonjour, Maryse. Donc, voilà. Je vous présente. Dans le fond, là, c'est toute la même collection. Moi, j'aime ça, scraper la même collection. Donc, voilà. Et j'ai aussi ces papiers-là. Ils sont pas tous pareils. Ils se ressemblent. J'ai pas mis de basil parce que il y en avait des unis. Puis souvent, on a des basils à la maison. Ça va peut-être trop vite. En tout cas, j'étais tellement énervée de faire un kit de cartes. Écoute, je pense que si je fais un live demain, là, ben je fais une carte, même deux. Ça vous tend dessus. Ça se peut que je fasse un live demain avec mon kit de cartes. Je m'amuse. J'ai mis des petites cartes de Project Life, parce que des fois, on peut les utiliser comme embellissement. Voilà. Alors, j'ai mis des petites perles à coller. J'ai mis deux feuilles brillantes. Une feuille blanche, une autre feuille blanche. Je vais faire mon tapon de fleurs en même temps. Hein? Voilà, deux feuilles argent. Un petit truc de dentelle. Hein, je vous le dis, les feuilles cartes, là, je me suis donné, là. Une petite fleur blanche. Voilà. Pour ce qui est des embellissements. Oups, ça me va à peine de tourner. En tout cas, faites pas ça à la maison. Vous soyez pas trop énervés à la maison. donc, c'est sûr qu'il y a pas mal d'embellissements. Aussi, hein, il y a quand même beaucoup de papier, beaucoup de trucs. Fait que je pense qu'il va être 25$ aussi. En tout cas, j'ai mis une dentelle brillante. Une dentelle fleur. Du washi tape. Une dentelle blanche. Bon, il veut une kit carte. Non, pas de kit carte. Kit carte! Excusez, je parle trop vite. La même chose, mais dans le noir. Et une petite dentelle rose pour aller avec ça. Et j'ai mis des petits embellissements, là, parce que c'est sûr qu'il est un peu vieillot, la collection. Donc, je trouvais que de mettre des petits rouages ou des visages, c'était intéressant. Donc, voilà le kit carte qui est là. Fait que si vous le voulez, j'en ai 4 exemplaires. Donc... vous me contactez, les carteuses, et ça se peut là que il n'y a pas tant que ça des carteuses, hein, qui me suivent. Mais bon, voilà, et le kit est à vous pour 25$. Mais pour le chum à Vicky, lui, il va avoir une kit carte pour 25$. Penses-tu?
Pensez-vous qu'il va être content? Donc, voilà, en même temps, mais je l'ai emballé. Ni vu ni connu, je suis moins en retard, puis la vie est belle. Fait que ça, ce kit-là, demain, je le fais en live à 18h30. Je vous fais même pas voter. Ça va être ça, mon live demain. Donc, voilà. Et pour ce qui est de l'autre kit, je vous ai fabriqué un autre kit page. Je vais-tu trop vite, gang? Je pense que non, hein? Salut, Lucie! Donc, si vous voulez le kit carte, j'en ai en 4 exemplaires. Le kit page, ben, j'ai quelqu'un qui l'a vu puis qui le veut. Fait qu'il y en a juste 3. C'est quelqu'un-là, Alain Chum, qui veut des kits carte. Ben bon. Voilà. Alors, lui aussi, je l'aime bien, ce kit-là. Je me suis amusée. C'est sûr que c'est... j'ai mélangé Prima et Fabrica. Alors, je vous montre les papiers. Puis... mieux d'être grosse à KitKat, c'est clair. Hey, moi, vous savez que fatiguée comme je suis, si vous me dites des niaiseries, ça se peut que je réponde. Alors voilà, pour les papiers. Il y a celui-ci. Celui-ci. Celui-ci, là, je suis dans les papiers Primo en premier. Ça, c'est un canevas autocollant. Vous pouvez couper des morceaux ou le prendre en fond, faire une toile, à vous de voir. Salut Sarah! Un papier gris en motif de bois, un basil blanc, un motif de bois. De l'autre côté ici, il peut faire un basil noir en motif de bois. Stop pas mon chat. Moi, je sais, je sais. Ah, t'as pas fait 4 enfants pour rien, Vicky. Alors, celui-là, moi, je l'aime, mais c'est sûr que de l'autre côté, il est plus brun. Il fit moins, peut-être, dans la collection, mais il fit pareil. J'ai mis un papier A4, un autre papier A4, ça se peut que vous entendiez mon chum. C'est les mêmes collections, donc vous pouvez faire des mix. J'ai aussi celui-là. Celui-là. Ouais! Salut Marie-Lou! C'est clair, mais c'est pas... Ben non, elle a slack un tour sur l'orange, là. Je mettrai pas l'orange tout de suite. Voilà pour des morceaux que je sépare en deux. Il y a 2 pages de mon livre grec. En tout cas, vous lirez. Peut-être qu'à la gang, on va toutes lire le livre, puis ça va être donné. Du 6x6, il y a quand même beaucoup de papier. Puis je trouvais que j'avais moins de papier 12-12. Fait que vous avez des petits papiers pour découper. Voilà, et voilà, il y a un alphabet, là, c'est sûr qu'il est différent dans chacun des kits, fait que c'est une look. Il y a des petites cartes, sont pas tous pareils non plus dans le kit. Voilà, il y a des petits, ça je vais les mettre dans mes mains, Hey, moi je suis aussi énervée, je suis beaucoup trop énervée aujourd'hui, je suis pas assez dormie. Je sais pas si vous voyez, avec l'éclairage, j'ai des petits boutons brillants. Je pense que mon chum, il game, puis on l'entend avec les chiens, c'est un peu gossant. Hein? Frère, Tana! Pas à qui tu parles, mais ça t'aime. Donc, j'ai mis aussi des petits... Say it crystal, en tout cas. Voilà. J'ai mis des petits autocollants. J'essaie de pas mêler mon petit sac. Il y a des petits autocollants. Ça ne sont pas les mêmes dans chacun des kits, mais il y en a quand même beaucoup. J'ai coupé, là, mais c'est pas, j'ai pas coupé l'autocollant. Okay. J'ai fait attention. Oh! Cassiopée vient de voir. Elle était pas venue la dernière fois. D'autres autocollants, il y en a, c'est comme je disais, il y en a vraiment beaucoup. Il y a des fleurs de Prima qui fit avec la collection. Encore une fois, ce ne sont pas toutes les mêmes dans les kits, mais c'est le même nombre. Celui-là, non, c'est Prima. C'est Prima, le papier. C'est la collection Bella. Attendez, j'ai jeté le truc. C'est la collection Rosibel de Prima. Bon, tu viens t'étirer avec nous, toi? Voilà, des fleurs, encore des fleurs, puis... Cassiopée, pas dans le kit, d'accord? Puis, 4 feuilles brillantes. Donc, voilà, celui-là, il me reste 3 exemplaires de ce kit-là à 25 $ aussi. Il y a quand même assez de matériel.
Donc, ceci étant dit, vous pouvez m'écrire en privé. J'essaie d'y aller première vie, premier service. C'est comme les grilles, vous avez été rapide à répondre. Donc, j'essaie d'être rapide moi aussi. Hein? Tu veux qu'elle s'y appelle? Non. Là, en passant, là, je sais pas si vous avez vu mon Facebook, là. Mais Mounette, ma cocotte, est enceinte. Fait que j'ai hâte de voir s'il y en a une ou deux. Puis, Chitali, ma chinoise, est enceinte aussi. Fait que j'ai hâte de voir s'il y en a une ou deux. Ou trois, ou quatre, ou cinq. Puis, tout ça. Bon, alors, salut Isabelle. Comme t'arrives, c'est fini. Non. C'est pas vrai. Donc, ce soir, j'ai comme le goût de vous faire une page avec le kit. Fait que là, je m'étais gardé des petits bouts de patente que vous avez dans le kit. Moi aussi, il faut que j'en profite. Hein? Donc, je vais faire une page avec ce kit-là. C'est ça mon amusement de ce soir. Il y a juste ces fleurs-là qui sont pas dans le kit, là. Mais c'est ça. Puis quand je disais, là, les alphabets, là, il y en a comme plusieurs de même. Puis... voilà. Puis ça, c'était le truc sticky back Canva. Il me semble qu'ils sont autocollants, puis on peut faire des fleurs. Fait que vous vous amuserez avec ça. Je ne crois pas utiliser ça aujourd'hui. Je vais y réfléchir. Je pense que je vais utiliser ça comme fond. Comme fond, voilà. Parce que je vous ai tout donné dans le kit, les papiers. 6 ou 8. 6 ou 8 quoi, Marie-Claude? C'est plus. 6 ou 8. En tout cas, bon, bref, je vais me couper en carton. Ah, demain, ça? À 6h30? Ça arrête-tu de l'allure? C'est-tu ça ta question? Hey, le chien! Chut! Ah, présentement. Ok, si ça serait le fun. En fait, là, moi, j'ai 9 chats présentement, mais les chatons, je ne sais pas. Je peux aller faire de déco encore. Je sais pas la date de l'accouplement, donc je ferai pas d'écho pour mes cocottes. Je vais voir comment ça va aller après. Donc, voilà. Je suis allée trop vite, les filles, ou... moi, je travaille depuis 8h le matin. Je suis arrivée ici. J'ai fait mon montage vidéo. Je vous ai préparé des kits. Bon, ben... ma journée est finie. Non. Je fais des blagues. Il y en a-tu qui ont réussi à aller voir leurs parents, leur maman, aujourd'hui? Que ce soit loin. Pas trop proche. Est-ce qu'il y en a qui ont réussi? Moi, je n'ai pas pu. Oh, je prends lequel, hein? Je prends-tu celle-là ou je prends celle-là? Je vais choisir ma photo puis ça va me faire décider. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Fred? Oui. Si tu gagnes puis on t'entend à côté, c'est vraiment tannant. Fait que si tu veux parler, va ailleurs. Que je t'entends baragouiner en arrière. Je suis agréable avec mon chum, hein? Ouais, je suis toujours trop vite. Ah, gang de chanceuses. Gang de chanceuses d'avoir été... d'avoir été voir vos parents. Moi, j'ai vu ma mère hier. Oh! J'ai vu ma mère hier, puis c'est ça. Mais là, aujourd'hui, j'ai eu comme... lequel, lui? Lui. Ça va être du bord là, je pense. Parce que ça, c'est trop chargé. Ouais, hey, je gaspille un papier vraiment beau, hein? Vous allez pas m'aimer. Vous allez me détester. Bon, un coup donc, il y a plein d'affaires dans mon étagère. En plus d'avoir des poils de chat. Salut Marie-Ève. Bois. Ouais, moi aussi, je veux le bois. Lui, il est trop chargé. Je n'ai pas pris le temps de vous écouter, hein, encore une fois. Oh, je te dis. Ouais. Fait que là, comme je disais, pour les kits, il y a 3 kits de dispo. Puis,
Le Kit Kat, il y en a 4. Ils sont drôles, les chats. J'ai mis de l'eau dans mon lavabo pour peut-être que j'allais prendre un stencil. Ils sont tous en train de le boire. Là, je prends le tape de Fabrica décoru, mais il colle en tabarouette. Fait que peut-être que je vois grand. Puis la dernière fois, je m'étais vantée que j'avais collé ça comme un pet. Mais là, ça se peut que le pet soit dur. Nous, les décisions, ouais. Vicky, ça va être ma soeur cosmique des décisions. Dans ce temps-là, Vicky, qu'est-ce qu'on fait? On achète tout. Ça, j'ai fait avec les chats. Ah ah! Entendez-vous ces chats, mon chum? Parce que moi, je l'entends pareil. Il essaye de chuter de même, mais tu sais, il est aussi bien. Il est aussi cossant quand il chute. Parce que monsieur, là, il veut gamer. Et monsieur veut gamer, mais son monsieur, son Xbox, vu que tout le monde est dans le COVID puis chez eux, ben il n'y a plus autant un routeur bon. Fait que le monsieur capote. Mais là, imaginez qu'il va dire « T'es en arrière! Il est en arrière! » En chuchotant. Ça va être magnifique. Magnifique. L'entendez-vous? Il m'énerve. Ah, oh, je t'ai dit l'amour, hein? Bon, hein. Sérieux, va jouer dans le salon. Voilà. Bon, fait que 1, 2, 3, go, c'est le moment fatidique. Ben, écoute donc. C'est pas si pire. Oh, j'ai un peu décalé. J'ai un peu décalé. Je vais le couper parce que ça va m'énerver tout. Sérieusement, là, c'est la fête des mères, mais moi, j'aurais vendu mon chum en ce moment. Fait que s'il y en a une qui le veut, je vous l'offre. Pas cher, pas cher. Bataille de chat en arrière. Bon. Fait que c'est ça. Je sais même pas si je vais faire du mix média dessus, sûrement. Vous me connaissez, mais au moins, ça va être plus solide. C'est un petit peu plus long, mais ça fait partie de la vie. Donc, je pense que je vous ai tout donné les... J'ai été généreuse. Ah non, peut-être pas. Ben, j'étais généreuse, mais je pensais que je vous avais tout donné. Les petites cartes, puis tout ça. Mais pas tant. Bon. Ça venait avec un petit kit d'étampe. Je vais peut-être l'utiliser, mais là, malheureusement, il était pas... il était pas dedans. J'avais déjà des papiers découpés. Vous allez dire, elle s'est préparée ce coup-ci. Ben non, c'est des retailles. Félicitations, Marc-Claude, pour 7 ans de mariage. Oh! Écoute, on les échange certains. Je le vends pas cher. Ça allait-tu que ce qui te lousse? Je pense que oui. Ah, je suis plus sûre. Mais il me semble que oui. Il me semble que ça fit. En tout cas. Ça oui, ça oui. Je pense que c'est l'autre collection que j'ai pris l'autre fois, hein? Oh non! Tiens! Voici mes retailles que je vais pouvoir couper dedans. Puis, est-ce que j'ai le goût d'y aller dans... de ce sens-là? Ça, c'est une porte quand j'étais allée en Grèce. Je sais même pas c'est où, pour vrai. Et moi, puis une niaiserie. Bon, ça va être de ce sens-là. Fait que là, on va s'amuser à mettre un petit peu d'étampe. C'est rare que je fais ça dans mon fond, fait que profitez-en.
Ça y est, tout tombe. Je vous ai pas perdu. Salut, Marjolaine. Bon, pendant que je vous ai là, puis que vous n'êtes pas toutes parties parce que je déblatère ma vie, je ferai après avoir terminé le live, je vais faire un autre concours. La dernière fois, vous m'aviez parlé de crédit en magasin. Est-ce que c'est toujours ça que vous voulez? Ou je sais pas, parce que, hey, sérieux, je suis pas là, là, je prends des crayons. Je cherche des tentes, moi. Est-ce que vous aimeriez mieux... un kit, comme c'était... Salut, Joanne! Est-ce que... Seigneur, que c'est pas là. Est-ce que vous aimez mieux... Non. Est-ce que vous aimez mieux les deux? Parce que vous êtes quand même rapide, hein, sur les grilles. J'ai même pas le temps de finir des annoncés que j'étais dans le jus. Qu'est-ce que vous aimeriez? Hein, sérieux, les étampes de Prima, là, sont pas chères, mais ça vaut pas cher. C'est pas vraiment un beau produit. C'est quoi ma boutique? Ma boutique, c'est des choses en ligne, non? Que j'ai ici. Là, c'est sûr que je commande souvent chez Fabrica, Marjolaine, ou sinon, il y a quand même des choses que j'avais chez moi. En tout cas, ma boutique, c'est un peu un mélange de plein d'affaires. Voilà. Fait que là, je fais vraiment mon fond, mais comme en pêle-mêle. C'est ça que je veux qu'elle étende tout croche en passant. Fait que, ben, pas tout croche, mais en texture. Puis, salut. Voilà, crédit. Vous voulez du crédit? On va vous donner ma carte de crédit, mais si vous payez le compte. Ce serait bon, ça. Hein? Bon, fait que là, je m'amuse un peu trop. Un peu trop, je vais me calmer. Gris? D'après moi, gris paraîtra pas, fait qu'on est mieux d'y aller dans le brun. Elle dit de même, c'est pas chic. On est mieux d'y aller dans la couleur brune. Tellement la plus belle couleur du monde. Ça pourrait être crédit en magasin. Ça peut être un crédit pour acheter un kit qui reste. Ça se peut que si, mettons, le crédit part trop vite, ben je vais offrir des kits. Comme ça, on va avoir un mix de tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, puis je pense que... Là, la dernière fois, c'était 1$ de la case pour y aller à 40, mais je pense que ça va être 2$ de la case pour en avoir 25. Puis, dans le fond, 25 cases pour aller à 50$ de crédit en magasin, soit que je vais faire deux... Aimeriez-vous mieux deux prix de 25$ ou un gros prix de 50$? Répondez-moi à ça. Répondez-moi à ça pendant que... Je fais n'importe quoi. Non. Pendant que je fais mon montage, que vous savez que je fais souvent. Qu'est-ce que vous aimeriez plus? 2,25$, 2,25$. J'ai l'impression d'être à Expo Québec. Oh my God, c'est beau ce papier-là. C'est beau ce papier-là. Oh my God! Je vous le dis, n'essayez pas ça à la maison. Elle est énervée de même. Célina, elle a donné le relais. Je comprends pas. Bon, mais écoute, ça va être... je vais vous faire la grille après, là. Puis je, si elle est remplie demain, je la fais tirer demain. Sinon, quand elle sera remplie, quand même, là, prenez votre temps. Prenez votre temps. Puis si vous êtes... trop en vouloir, ben je vais faire tirer deux kits de 25$ chacun par la suite. Fait que comme faire deux grilles, ça fait un engouement intense. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée? Mettez-moi des cœurs si c'est une bonne idée. Petit
sais, ouais, parce que là, ma boutique, il y a moins d'affaires, là, parce que j'attends ma commande qui arrive pas d'ailleurs. Pas que je déteste Post Canada, mais je trouve que c'est pas vite. Bon, c'est une bonne idée, ça. Bon, vendu. Tu vois comment la vie est belle. Puis là, Diane n'a pas gagné, fait que là, je suis bien déçue pour elle. Pauvre petite. Ah, il m'énerve à chuchoter, je vous le dis. Ah, ces hommes. Je suis beaucoup trop énervée, j'ai la misère à coller des papiers. Qu'est-ce qu'on va faire? Il était bien beau, puis là, quand j'ai tout arraché, c'était moins beau, hein? Je suis concentrée. Brun est la couleur de l'amour selon Bernard Adamus. Ah! Ça se peut. Ça se peut bien. Mais brun, son nom de famille gagne. Hey, by the way, demain, j'ai vraiment hâte, hein, parce que je fais un Kit Kat en live. Oh là! Ça se peut chaque. Hey, sérieux, je vais battre le petit. Le petit peu. Lui, là. Tain. Qui a gagné? Qui a gagné? Hey, attendez, j'ai écrit les noms, là. Il y a Cindy Tremblay qui a gagné le kit bleu. Amélie a gagné le kit jaune. Et Lorraine Lepage a gagné le kit mix média. Ouais. C'est ça qui a gagné. C'est eux qui ont gagné, les chanceuses. Les chanceuses. Bon. Ouais, c'est pas vous autres. Mais... il y en a qui avaient déjà le kit, fait qu'il aurait peut-être été déçu de gagner. Ben, ouais, je l'aurais donné, dans le fond. C'est ça, je comprends. Avec tes Kit Kat. Ouh, je suis partie avec mes Kit Kat. Kit Kat. Kit. Oh, il est tannant, ton chum. Dis donc, Karette. Hein? Dis-y qu'il s'occupe d'Oreo. Ça, c'est meilleur. C'est le meilleur beurre de chocolat. Je n'avais encore pas branché mon fer, hein, vous me connaissez. Oups! Donc, imaginez, toi, mon chum qui game à côté, puis ses amis doivent dire, elle ferme pas sa boîte, elle, sa blonde, elle est en train de parler. Oh, bravo, Lorraine. Là, j'ai écrit Lorraine Lep. Fait que je cherchais ton nom de famille, je m'excuse. Voilà. Elle est beaucoup trop facile, ma page, hein, mais bon. Voilà. Il se trouve drôle. Oh, c'est gars. Dis donc qu'il game avec mon chum, comme ça on va être tranquille. Hein? La tranquillité d'esprit. Voilà. Là, c'est du bois que je mets. Il y avait plein d'autres bois. J'ai mis ça où? Je les ai pas tout utilisés, certains. Bon, c'est pas grave. Je vais aller me chercher un morceau de bois quelque part que je sais pas où. Ah! Oh, il me semblait que j'avais fait quelque part. Hey, demain, je fais un Kit Kat. En tout cas, bref. Au pire, là, tu me donneras, Vicky, le numéro de ton chum Xbox. Puis notre chum, ils Xboxeront ensemble. Puis on va être tranquille. Qu'est-ce que t'en penses? It's a good idea, hein? Merci pour l'anglais. Je suis très performante en anglais. Bon. OK. Trêve de plaisanterie, c'est assez. Mon fer n'est pas chaud encore, fait que je vais y aller avec la colle. Fait que là, j'ai décidé de mettre du 3D un peu. Ça, c'est du MDF. C'est mes restants de boîte. Vous savez, moi, je jette pas grand-chose dans la vie.
Donc, je l'utilise après pour monter mes trucs. Là, je me rends compte que j'ai fait des étampes, mais je n'ai peut-être pas fait assez. Fait que je vais en faire un petit peu plus. Pendant que ça, ça colle. Comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, oh, bon. Fait que... On a pas des chums amis, d'abord. Je vous le dis, les filles dans vos kits, si les chats ont mangé votre sac, ça se peut. Oui! Tiens, je vous apporte la vedette. Elle pleure, hein? Salut, Marthe! Qu'est-ce que... Moi, là, j'en manque des bouts, Vicky. Qui a remarqué? Qu'est-ce qu'il a remarqué? Just like me. Bon. Fait que là, ça va avoir plus d'allure à dépasser un peu. Comme ça. Écoute, Brigitte, wow! Pour le chat, parce que... ah, que je gardais tout! Oh. Je serais curieuse d'aller magasiner chez vous. Tiens. J'abuse dans les temps. C'est rare, hein? Non, c'est pas rare, mais... Qu'est-ce que ça dit, ça? À mon genre de le mettre à l'envers. Je pense que c'est à l'envers. D'ailleurs, c'est beau, des écritures à l'envers. Bon. Voilà, ça me... c'est mieux un peu. Je l'apprendrai. La page, ça? Ou le chat? Un chat n'a pas donné. Non, non, non! Bon, voilà, le fusil a collé. Le chat est en train de tout sacrer à terre à côté de moi. Fait que là, j'ai pas bien ben réfléchi à ce que j'allais faire. Hein. Ça fait partie de ma vie. Ça. Bon, tout le monde me regarde le nom de Cassiopée. Hein? Cassiopée avec un K? Non. Elle s'appelle C-A-S-S-I-O-P-P-E, accent aigu, E. Écoute. Capricieuse de Cassiopée, il faut qu'elle ait un nom parfait. Ça, c'était tout. Ça, y a-tu de quoi de beau là-dedans? Ah, je m'étais gardé des... C'est vrai, des collants. Pourquoi faire simple? Ben, parce que dans la vie, il faut faire simple. J'ai assez hâte à demain, là. Qui veut voir mon kit de cartes? Comment ça va être magnifique? Ça se peut, je me plante. Ouais, mais. Cassiopée est pas simple. Elle est belle, belle, belle. Voilà. Êtes-vous allé dehors aujourd'hui parce qu'il faisait frette?
qui est courageux. Les cartes, oh boy! La pression, la pression. Mais c'est là qu'on va voir si mon kit y a de l'allure ou pas. Elle n'est pas tant belle, cette fleur. Il n'y a comme rien dans le milieu. Ouais, il faisait très, très froid aujourd'hui. Nous, les filles, ils sortaient 2 secondes, puis ils disaient « OK, j'ai sorti! » Puis ils rentraient. Je te dis qu'on a des petites filles capricieuses. Je vais-tu trop vite? Sûrement. Mais là, je colle des fleurs. Oui, moi et maman, on faisait une longue marche dans mon quartier. Hey, ils vendent en tabarouette, là, dehors. Là. T'as raison. Je trouvais ça trop venteux pour moi. Je suis allée, mais pas longtemps. J'ai envoyé mes collègues. Je fais... Ah, j'ai fait un casse-tête. Je travaille fort, là. Ouais. Non. Je pense que ça va être elle. Just like... J'ai une chanson dans la tête, hein, puis je vais vous la mettre. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête. Voilà. Oui, c'est... non, 3 par 4, ma photo. 2 par 3, c'est quand je fais du Project Life. Là, c'est ça que, hein, dans... Moi, je m'en donne à cœur joie dans mon kit parce que j'ai juste une page avec, là. Parce que... C'est ça. Mais là, je pourrais modérer mes ardeurs de page. On va y aller avec ça un peu. Je pense que mon chum va faire quelque chose. C'est pas quoi? Ah, oh, ben c'est pas grave, là. Vous pouvez toujours écouter. Amélie, tu vas être contente, t'as gagné un kit. Tu as gagné le kit jaune. Chanceuse. Bon, c'est bon, hein? Ils ont fait un trou dedans, mais il n'est pas vraiment fait comme du monde. Je vais aller chercher mon crocodile. Je vais y mettre une petite corde. Je voulais y mettre une petite corde puis mettre ça là. Fait qu'on va y trouver une petite corde. Salut Julie! Ouais, c'est cool hein, quand on arrive et qu'on a gagné. C'est fou, fou, fou. Ben, ça fait plaisir. Ben, en fait, ça fait plaisir. Dis merci à tout le monde qui a participé parce que c'est les gens qui ont fait en sorte que. T'as pu gagner! Je pense que je mets ça comme ça. Comme je disais, j'abuse des fleurs. Non, j'y jette mes créations. Je suis pas fine, hein?
Ouais. Fait que je mets rien dans des albums. Ils sont trop épaisses, mes pages. Souvent. Souvent, 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 je les jette. Ouais. Je suis pas une vraie bricoleuse. Hein? Ben oui, mais non. Je garde pas mes affaires, surtout que je récupère tout. Je remets mes pages dans les trucs. Nope. Merci. En fait, à date, c'est simple, 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 mais je m'amuse. Je m'amuse. Bon, donc, je vous ai posé plein de questions. Quelle autre question je pourrais vous poser? Cassiopée s'ennuyait. Elle est venue vous voir. Ah, ouais, faire tirer. Vous trouvez? Mais je ne serais pas payée pour faire des tirages. Effectivement. Et boy, ça a revolé. J'ai fait un saut petit cœur. As-tu du gaz, cet enfant? Bon, je m'amuse. Vous avez une coupe de collant, fait qu'au moins, c'est pas si pire. J'ai pas trop abusé. Alors, on pourrait mettre un petit peu de mix média là-dedans, ça serait beau. Puis, il y avait un titre que j'ai voté avec des lettres de même ou peut-être ceux-là. Peut-être ceux-là. Avez-vous fini votre page? Ouais, du gaz comme moi. La super vedette avec laquelle tu devrais les signer et les vendre au lieu de les jeter, ben, ça se vend pas, ça. Ça se vend pas, mes créations. Salut, Nathalie. La vedette américaine, là, elle vend pas ses affaires. Elle s'amuse avec vous. Mais elle fait des kits pour vous, fait que c'est correct, ça. Non? Êtes-vous tanné que j'en fasse des kits? Il n'y aura pas d'accent. Puis, j'ai pas assez de place. Hey, c'est le fun quand je chuchote pas, mon chat. Je suis tranquille. Il recommence à travailler demain. Wouhou! Je pense que je fais un party. Hey, je vais travailler. Je ferai pas grand party. Êtes-vous comme moi? Votre chum vous a-t-il tapé ses nerfs? Confinement. Pauvre petit cœur, hein? Il entend tout ça. Mais il connaît la madame. Non, il vous a pas tapé ses noms. C'est quoi votre truc? Dites-moi votre truc. Moi, je pense que je travaille trop. Comme ça, ça aurait de l'allure. On va mettre celui-là un peu. Là, vous n'avez à peu près pas le même, fait que c'est correct.
Non, vous êtes silencieuse à ce soir. Bon. Fait que là, en finissant le live, j'ai pas fini encore. Il est quelle heure, là? What time is it? J'ai mis ma montre de côté. Attendez. Il est 9h. Non, il est 8h22. Je vais vite à faire des pages. Ouais. Ben, en fait, moi, j'étais en confinement au début. Après ça, j'étais un service essentiel, mais en fait, j'étais en arrêt maladie. J'étais pas en confinement. Puis là, je suis retournée travailler. Ça m'a fait énormément du bien. Mais. Là, mon mortier, il recommence lundi. Fait que ça va être trippant pour lui. Tu sais, mais qu'il recommence à travailler, il va arrêter de chuchoter. Là, j'ai pris mon étang gris juste pour y rajouter un peu. C'est, je pense que mon chat crime tout à terre. Oups! C'était pas très solide, mon affaire. Merci, Amélie. Ben, écoute, 3-4 étampes. Le papier qui est beau. Puis, c'est ça. Tu sais, tout est question de texture, hein? On va y mettre un petit peu de fondue. Ça va être belle aussi. Pouvez-vous me dire d'arrêter? On pourrait. Mais ça me fait plaisir. Veux-tu mettre des gouttelettes ou non? Faudrait, hein? Faudrait, sinon, ça serait pas moi. Mais je vais peut-être mettre un autre quelque chose avant. Mais je suis pas certaine. Parce qu'encore une fois, j'ai mis. Mais. Je vais essayer le frein. Tu sais, comme on parlait l'autre fois, mais. Pas sûr. Ouais. Je vais essayer ça. Ouais, essayer ça de cette façon-là. Ok. Il est neuf. J'en ai-tu de la gogosse là-dedans? Ouais, c'est lui. Ouais. Je vois. Mais je veux juste saupoudrer dans les coins pour y rajouter une texture de brillant. Je vais mettre le blanc et or. Celui-ci, il y a des brillants. Ah, mon pain banane, il est parfait. Fred, je suis en train de l'enregistrer. Oh. Je vous le dis, hein, il est à vendre pas cher, cet enfant. Bon, monsieur a fait du pain aux bananes, fait que là, il veut juste que je le dise à caméra. C'est juste ça. Fait que là, il a fait du pain aux bananes, mon chum. Voilà. Hein? Je m'étais pas préparée à embosser, fait que... Je vais juste l'enlever un peu. Finalement, je vais le remettre. Ben, j'ai l'impression que les petites gouttelettes blanches. Ouais, ils vont fondre. Si je... Bon, fait que là, je vais faire comme je voulais faire l'autre fois là par en dessous. C'est Frontage.
pas de gaufrage qu'ils font, lycée. Anime, là. Donc, comme je disais l'autre fois, on y va par en dessous. Ça va fondre. Je sais pas si vous allez bien voir. L'idéal, c'est de cette façon-là. À un moment donné, ça fond. Il faut prendre le fer qui est plus chaud, là. Là, si je vais par-dessus, mais ça va trop revoler. Mais peut-être parce que j'ai mis un carton, ça fera pas beau. Je vais essayer. En tout cas. Ça va le faire pareil. Ça fait pas beau par en dessous parce que normalement, on prend un papier simple. C'est ça. Ça marche pas. Mais en tout cas, vous allez le voir aussi, là, ce que ça fait normalement. Voyez-vous le blanc? Normalement, quand on le fait en dessous, c'est la place que je l'ai fait en dessous, hein, fait que ça, c'est ça qu'il faut faire. OK, n'essayez pas ça à la maison. En fait, il faut chauffer par en dessous pour que ça tienne. Je vais en remettre un petit peu. Puis, c'est pour que les graines blanches chauffe et tienne pour que ça fasse comme glacis. C'est ça qu'il faut faire. Puis le brillant tient avec. Fait que là, on ne le fait plus par-dessus. Hein? Vous avez bien compris. Voilà. Fait que, on va réessayer, mais là, désolé pour le bruit. Je pense que l'idéal, c'est de le faire un peu en dessous. Puis après ça, le faire... Il y a du poil de chat. Quand on voit que ça fond, on vient le faire en haut. Si le feu pogne, vous allez savoir que... Ça l'a réussi. C'est comme si ça fond en... Là, je suis... Je vais juste le tenir l'autre main, parce que sinon on va mourir de chaleur. Fait que l'idéal, c'est que quand ça l'a déjà chauffé, après ça, on revient chauffer par-dessus. Fait que c'est pour ça que ça n'a pas toute partie en fou. Quand c'est déjà chauffé, c'est parfait. Mais regardez, j'avais pas assez chauffé. Il faut vraiment le faire chauffer comme du monde, puis après ça, le remettre par-dessus, mais là, il y a un carton. Fait que ça fait que ça chauffe moins bien en dessous. Mais la dernière fois aussi, j'avais mis un carton, fait que j'apprends pas, hein, je fais les mêmes erreurs. Puis, il va juste manquer ici, on en met un peu plus. C'est juste que les trucs blancs sont plus lourds, donc adhèrent moins vite, puis quand... Quand on fait ça par là, ben ça marche pas. On va le faire chauffer un peu. Fait que vous voyez, il y a pas, je suis pas la science infuse. Hein? Moi aussi, je fais des erreurs. En tout cas, bref, ça a tenu pareil, là, mais sur un papier, là, on le voit fondre super bien, normalement. Il y en a même qui en mettent dans les fleurs, par tout ça. Voilà. Donc, Frontage, puis c'est Stampin' Douce qui le fait. Puis, j'ai pris le liquide Stampin' Douce, mais on pourrait prendre un crayon Versamark. On pourrait prendre plein d'autres trucs de cette façon-là. Est-ce que je suis capable de pas faire de gouttelettes dans une création, vous pensez? C'est pas, hein? Elle sait pas. Est-ce que je suis capable? Désolée, mes chats se sont... ça chicane.
Tantôt, ils étaient toutes cute, ils étaient toutes ensemble. Ils ont décidé qu'ils chicanaient les femmes enceintes. C'est normal. Je pense que je vais faire ça sur le bord. Je pense qu'ils vont attaquer. Salut Maryse! Donc, je vous réponds les filles qui m'ont écrit en privé tout de suite après le live. Ben tout de suite, ce sera pas long, là, le temps de loader la vidéo. Ouais, le titre est là. Elle est simple, mais je l'aime bien la page. Fait que j'ai comme pas le goût de rajouter des gouttelettes. Je trouve qu'il y a assez de texture avec les tempes puis le fond. Je trouve que tout va bien ensemble. Fait que voici ma page. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? T'as-tu l'allure? Je rajoute-tu quelque chose? Moi, je pense que non. Moi, je pense que non. C'est sûr qu'elle est simple. J'ai utilisé le kit, mais j'ai utilisé des angles, des étampes. J'ai utilisé des embellissements. Fait que, vous pouvez faire ça chez vous là, super facilement avec toutes les étampes que vous avez. Puis j'ai pris du brun puis du noir. Ça se marie bien avec. Je pense que c'est ça. Fait que un gros merci, les filles. On se voit demain pour le kit carte. Et boy, que j'ai hâte. J'ai-tu dit que j'allais faire ça, moi? En tout cas, bref, fait que dans le fond, je vais loader la vidéo, ramasser mes trucs, vous préparer le concours pour le crédit. Dans le fond, ça va être des cases à 2,25$. Puis si je vois que ça se remplit trop vite, je vais faire deux autres cases pour deux kits à 25$. Fait que là, c'est ça. Préparez vos sous. Puis, non, je fais des blagues, mais tu sais, une case à 2$ peut vous faire gagner 25$. Fait que c'est pas cher, hein? Celles qui me connaissent d'un crop, je suis capable de vendre des coupons en masse. Un peu trop harcelante, mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà, ça m'a fait plaisir d'être en dimanche de fête des mères avec vous. Merci, vous avez fait en sorte que mon dimanche était beau, parce que moi, la fête des mères, c'est pas ma plus belle fête en ce moment, mais bon, c'est pas grave, j'adore ma maman, mais c'est ça. Donc, ça a permis que moi, je passe mon énergie dans une création. Donc, merci beaucoup, puis on se voit demain pour le KitKat, en tout cas, ça là, ça, hein, puis salut Brian, hey, merci, puis celles qui ont gagné, je vous communique avec vous dès tantôt, bye bye!